Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette soirée de la communauté Lecture Sefer, cette soirée en hommage à Flora Farah Sasson, une femme juive érudite et philanthrope du 20e siècle, dont nous allons parler toute cette soirée avec de formidables intervenants et intervenantes de France et d'Israël. Et d'ailleurs, probablement, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. C'est une de nos premières soirées culturelles de l'association, donc de la communauté de lecture Sefer. Et on est ravis de pouvoir partager ce moment avec vous. Et je vais. C'est vraiment une idée, une soirée qu'on a organisée avec Ariel Danan, et qui était vraiment l'objectif de remettre cette femme, Flora Farah Sasson, au premier plan. Et je vais laisser d'ailleurs la parole à notre présidente, la professeure Liliane Vanna, pour en parler plus en détail et introduire cette soirée. Professeure Liliane Vanna, si vous êtes prête et si on ouvre votre micro, on va pouvoir vous entendre. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravie de l'organisation de cette soirée consacrée à Flora Farah Sasson, dont on vous dira beaucoup plus tout à l'heure. Je suis ravie à plusieurs titres. D'abord parce que c'est la communauté lecture Sefer Minyan orthodoxe participative dont je vous parlerai dans quelques instants, mais peut-être sur la soirée elle-même et l'intérêt de consacrer une soirée à une telle personne. Je n'entrerai pas dans le vif du sujet, ce sera aux intervenants de le faire, mais je voudrais quand même rappeler que parler de grandes figures féminines dans l'histoire, c'est contribuer à l'écriture d'une histoire plus vrai et plus juste à l'égard des hommes et des femmes. L'histoire qu'on nous raconte, qu'on nous enseigne à l'école et ailleurs, est une histoire vue uniquement du point de vue du masculin et les femmes sont écartées. Or, il y a de très grandes figures féminines dans l'histoire, probablement autant que d'hommes qui ont fait et qui ont agi fait de grandes actions, mais on ne nous parle pas. Je ne mentionnerai que quelques personnes comme Osnat Barazani au Kurdistan, qui a dirigé une yeshiva, qui le sait, Sarah Schneer, qui était à l'origine des écoles juives pour les femmes religieuses, etc. Là, parler des figures féminines,
fait partie de cette approche que nous avons dans Lecture Sefer de construire une communauté la plus égalitaire possible. C'est un peu bizarre de dire les choses ainsi, mais l'égalité entre les humains n'est pas parfaite et n'est pas absolue et n'est pas facile à acquérir, mais nous contribuons à la construire. Lecture Sefer s'est constituée en association depuis les fêtes de Tishrei cette année. Nous rencontrons tous les Shabbatot le premier Shabbat du mois. Le prochain Minyan a lieu le 5 février. Et nous commençons à 9h30. Vous êtes tous les bienvenus à ce Minyan qui est participatif dans tous les sens du terme. Hommes, femmes, lecture de la Torah, lecture de la Haftara, les prières, etc. Et nous avons voulu, en tant que communauté, ne pas limiter notre activité à l'aspect religieux, mais également à l'aspect culturel. Donc, c'est une des premières soirées aujourd'hui, enfin, consacrée à Flora Farhassasson, mais nous avons pour projet d'organiser de manière régulière ce genre d'activité culturelle. Nous avons fait déjà quelques soirées avec des chants de Shabbat, de chants liturgiques, de Selichot, de Hoshana Rabba, de Simchat Torah, etc. Mais nous sommes au début de notre activité et de notre action et vous aurez encore de vos nouvelles. Je voudrais rappeler que les réunions du premier Shabbat du mois civil sont suivies, si le Covid ne nous l'interdit pas, d'un kiddush et d'un repas où tout le monde est convié. Il y a aussi un moment de convivialité après la liturgie. Ces Shabbatot sont en vocation pour devenir hebdomadaire, ce n'est pas encore le cas, mais c'est notre aspiration. Je rappelle les prochaines dates. Donc, je redis, la prochaine date, c'est le 5 février. Si vous voulez lire la Torah ou participer à la liturgie, contactez-nous. Et ce sera avec grand plaisir, homme ou femme. Ensuite, nous aurons les Shabbatot réguliers, mais n'oubliez pas Purim, au mois de mars. Je voudrais remercier les participants, plutôt les contributeurs qui vont prendre la parole tout à l'heure, d'avoir accepté notre invitation. Sandra Jérusalemi va les présenter un par un dans quelques instants. Et je voudrais également remercier l'équipe de Lecture Sefer. En premier lieu, Sandra Jérusalemi et Ariel Danan qui ont été vraiment la cheville ouvrière de la présente soirée. Et les autres membres de notre équipe Lecture Sefer, Nathalie, Charles, Catherine, Lior, et nous accueillons d'autres bonnes volontés qui veulent participer, contribuer, initier des activités dans notre communauté. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée avec nos contributeurs et Flora Farfassasson. Merci beaucoup, professeur Vanna. Alors, nous allons effectivement commencer cette soirée avec nos premiers intervenants. Et notre première intervenante, c'est Sophie Bigot-Goldblum. Sophie, tu es actuellement étudiante en master d'études juives à l'Université Bar-Ilan et tu enseignes et tu publies des articles également dans différents cadres. Ce soir, tu vas nous parler de la vie de Flora Farhassasson. Et de ces différents, enfin justement de tout ce qu'elle a apporté au judaïsme. Sophie, je te laisse la parole. Merci Sandra. Alors je dois dire
que lorsque Ariel m'a demandé de m'atteler à la biographie de Flora Sursonne, je suis prise de quelques doutes. Comment présenter un personnage, un tel personnage, sans sombrer dans la géographie? Comment parler du parcours de cet individu hors norme, sans effacer, sans taire, la réalité de la condition féminine juive au siècle qui la vit naître? Car il convient de dénoncer les mécanismes par lesquels on légitimise la mise au ban de la majorité des femmes en usant des exceptions, comme de faire valoir. Si on autorise les femmes à empiéter sur le domaine du masculin, ce n'est certainement pas pour créer un précédent, mais au contraire, pour souligner l'exceptionnalité d'une femme en particulier. Comme nous l'enseigne la célèbre maxime, l'exception confirme la règle. Le judaïsme normatif s'oppose-t-il à l'accès des femmes au texte sacré? Que nonni, Osnat Barzani, fut rejeté Shiva au VIIe siècle, ça a été dit précédemment. Les rabbins empêchent les femmes de monter à la Torah, mais quoi donc, Flora Sasson, raconte-t-on, lu dans un Sefer Torah à Bagdad. Il suffit donc de citer une femme, une par siècle suffit, et de brandir l'étendard de leur succès, bien qu'inégalable pour le commun des mortels, pour faire taire les voix revendicatrices. Je dis bien inégalable pour le commun des mortels, car si Flora Sasson est sans conteste une femme extraordinaire, si on l'autorisa à sortir de la norme, c'est avant tout parce que sa situation sociale et son incroyable richesse le lui permettaient. Par exemple, s'il est vrai qu'on l'a laissé lire dans un Sefer Torah, comme le proclame en tout cas le site Jewish Woman Archive, il convient de mentionner que Flora Sasson lut dans un Sefer Torah qui fut offert par son vénérable ancêtre, le Ser Shashun, qui a fondé la dynastie, et qu'elle le fut au moment spécifique de l'un de ses nombreux voyages durant lesquels donc, la riche donatrice distribuait ses bonnes œuvres. On comprend mieux, partant, le rapport de force qui se présente dans cet acte, fut-il romancé. Flora Sasson ne s'aventura pas à aller dans son propre minyan, on aura l'occasion, je pense, d'y revenir quand elle, lors de ses nombreux voyages, elle voyageait toujours, dit-on, avec un minyan de 10 hommes et avec un chorette, un abatteur rituel. Mais elle lut bien donc, dans la synagogue du lieu d'origine du clan Sasson, donc c'est un acte diplomatique. Cependant, Flora Sasson nous a laissé des traces de sa volonté de mobiliser son savoir et sa position à des fins qui dépassent l'avancement de sa propre réputation, mais qui, au contraire, posèrent des jalons dans une lecture qu'on dirait aujourd'hui féministe des textes juifs, en ce qu'elle jette les projecteurs sur les voix marginalisées, celles des femmes. Ça fait aussi écho à ce que disait la professeure Vanna. Dans un de ses articles parus dans The Jewish Forum, alors je vous ai fait un petit PowerPoint, si je peux le partager. Je vais faire ici share screen. Sandra, il faut que tu m'autorises. Alors, si tu veux bien. Tu es autorisée? Bah, ils me disent que le... Ça a été... Non. Je le fais? Ok. C'est le... Alors, du coup, je passe ici. C'est le deuxième... Non, je ne sais pas si vous voyez, mais je vous ai mis juste la couverture du Jewish Forum, qui est donc le journal, voilà, merci beaucoup, dans lequel elle a publié à plusieurs reprises. Et donc, dans un de ses articles, donc paru dans ce journal, elle commence par donner des preuves de sa légitimité en tant qu'intellectuelle, en tant que chercheuse, en présentant une étude basée sur sa lecture des manuscrits, dans laquelle elle analyse la ponctuation et les variations du texte massorétique, notamment la transposition des mots arabes dans le commentaire de Rachid. Ce faisant, elle en profite pour présenter Rachid et sa famille, notamment les nombreuses femmes qui l'entouraient, vous le savez peut-être, Rachid n'y a que des filles. Elle décrit comme savante. Et là, je vous fais une petite parenthèse pour vous recommander une série, un triptyque de livres. Rachel, Myriam et Yoreved, hein, donc les trois filles de Rachid. Il y a une autrice américaine qui a sorti trois livres. Alors, je crois que ce n'est pas traduit en français, mais en tout cas, c'est un très beau cadeau pour une bat mitzvah, par exemple. Je ne touche pas de droit d'auteur là-dessus. Voilà, je ferme la parenthèse. Elle souligne ensuite en quoi, à travers les écrits de Rachid, on pouvait voir qu'il prenait souvent la défense des femmes. Donc, après ce très long avertissement sur la lecture hagiographique, qui viendrait se servir de la figure d'une femme pour jeter l'ombre sur la réalité vécue par tout le reste de la population féminine, nous allons donc essayer de répondre au challenge qui nous est lancé et dresser, dans les 20 minutes qui nous sont imparties, à la fois le portrait d'une femme, mais aussi celui d'une époque. Alors, d'où vient Flora Sasson? La question est plus complexe qu'il y paraît. Pour les plus appliqués d'entre vous, qui êtes allés faire un tour sur sa page Wikipédia, vous n'avez pas manqué de voir qu'il est indiqué que Flora Sasson était une juive indienne. Certes, elle est née à Bombay, mais c'est presque par hasard.
ses enfants, ils sont venus, pardon, ses enfants, ses parents, ils sont venus pour développer leur empire commercial. Et elle-même n'y restera pas longtemps. Elle vivra la majorité de sa vie à Londres. Avant d'être de quelque part, Flora Sassone est avant tout une Sassone. Et on ne peut comprendre sa trajectoire qu'en présentant le clan dont elle vient. Donc, les Sassones descendraient d'une famille de juifs de cour qui aurait quitté l'Espagne durant l'expulsion de 1492. Ils s'installent alors à Bagdad, et je veux insister sur l'importance de Bagdad, qui va appartenir, certes par intermittence, à l'Empire ottoman durant les 16e et 17e siècles. Pourquoi insister là-dessus ? Je pense que c'est essentiel pour comprendre comment un personnage comme Flora Sassone va pouvoir émerger de ce monde-là. Il y a dans l'Empire ottoman un bouillonnement de culture et une effervescence intellectuelle et économique qui va bénéficier à la communauté juive de façon remarquable. Donc, revenons aux Sassones. D'où vient ce nom ? Alors, j'ai découvert en faisant des recherches sur cette famille que le nom de famille Sassone est en réalité assez communément partagé par de nombreuses familles et tribus arméniennes et kurdes, qui sont toutes originaires du même district montagneux. Ça, c'est la fiche numéro 4. Voilà. Donc, vraiment à l'est de la Turquie actuelle. Voilà, vous avez donc un lac et vous avez donc la région qui s'appelle la province Sassone. Alors, c'est une des étymologies qu'on peut proposer pour ce nom-là. Il y en a une autre, on verra. OK. On peut peut-être la présenter tout de suite. Donc, c'est la fiche 5. Alors, le magazine Mishpacha, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un magazine américain qui existe aujourd'hui, hein, qui est plutôt, qui parfois fait la une des journaux, notamment parce qu'ils ont une tendance à effacer, gommer le visage femme. Voilà, et ils ont écrit donc le texte qui suit, qui est paru assez récemment et que vous pouvez trouver sur leur site web. Alors je passe sur le Rothschild de l'Est, hein, c'est comme quand on dit que le Ladino, c'est le Yiddish des Ashkenazes. Bon, c'est un journal qui s'adresse à la communauté américaine qui est principalement Ashkenaze. Et eux, ils ont une autre idée pour l'étymologie du nom. Eux, ils veulent plutôt le raccrocher à Shoshana, donc à la fleur. Je vous laisse choisir. Alors, je reviens donc sur cette biographie. La richesse et l'importance du clan Sassone, pour ce qu'elle nous en est documentée, donc, remonte à Sassone Ben Salir, 1750-1880, qui était l'un des principaux trésoriers des pachas de Bagdad et du sud de l'Irak. C'est la génération qui suit, donc David et Joseph, les deux fils de celui qu'on vient de mentionner, que la famille va se changer en véritable empire. David part à l'est, il s'occupe de l'Iran, de l'Inde, et il va faire fortune dans le coton, il emploie d'ailleurs un grand nombre d'esclaves, et dans l'opium. Joseph, lui, va s'occuper de l'ouest et du sud, Égypte, Grèce, et développe une compagnie de navigation, échange de monnaie, d'ailleurs je crois qu'ils fondent une banque qui existe encore aujourd'hui au Caire, etc. David est l'arrière-grand-père de Flora. Alors, il y a une photo hyper intéressante. Si vous regardez la fiche 6, vous avez David Sassone. Alors, ce qui est très, très difficile, c'est que c'est le genre de famille où, vous savez, on appelle le fils comme le grand-père. Donc, en fait, ils ont tous les mêmes prénoms qui reviennent au fil des générations. Donc, on perd un peu le fil. Mais donc, fiche numéro 6, voilà, vous voyez David Sassone. Et la fiche d'après, vous voyez en fait cette transition assez incroyable. Vous avez, donc c'est la fiche numéro 7. Vous avez en fait David Sassone assis encore en habit très traditionnel. Ses deux fils sur la gauche qui gardent un habit qui reste assez traditionnel. Et ensuite, sur la droite, déjà l'influence britannique en fait en Inde qui se fait sentir. Sur celui qui est le grand-père de Flora Sassone. Voilà. Alors, donc, David est l'arrière et grand-père de Flora. Il va par contre laisser ses fils accéder à l'éducation et à la culture britannique. Donc son fils Abdullah, le grand-père maternel de Flora, va devenir Albert. Hein, et vous pouvez deviner sur la photo lequel est celui qui va changer de prénom de Abdullah à Albert. Alors, vous comprenez que Sassone, mais elle porte elle de une famille qui va souvent se marier, enfin qui est souvent en famille en fait avec les Sassones. Donc elle est une Sassone, elle va épouser un Sassone.
Alors, je voulais vous donner un petit peu de contexte sur les femmes juives dans l'Empire ottoman. Je sais que le suspense est à son comble et que vous voulez à tout prix entendre parler de Flora, mais donnez-moi encore quelques minutes. Donc, j'ai dit en introduction que le contexte historique et la vie juive dans l'Empire ottoman étaient essentiels pour comprendre l'apparition d'une figure comme Flora Sassin. Si, par la dimension de sa fortune et sa connaissance, Flora et son contexte exceptionnel, l'existence de père, lui, est en fait tout à fait courant. Donc, petit rappel, pouvait prêter de l'argent. C'était une profession facilement accessible pour les femmes, puisqu'elles n'avaient pas besoin de voyager pour l'exercer. Au contraire, les emprunteurs pouvaient venir chez elles. Donc, c'était même très pratique. Elles n'avaient même pas besoin de quitter la maison. Les divorcés et les veuves étaient particulièrement avantagés car elles pouvaient prêter l'argent de leur ketouba, de leur contrat de mariage. On a donc, pour en témoigner, un certain nombre de responsables, comme une responsable de Rabbi Eliezer Banacha, au milieu du XVIIe siècle, qui traite d'une femme juive qui prend de Jérusalem. Celles qui ont l'argent pouvaient s'engager dans le commerce. Les femmes pouvaient détenir des biens, avaient le droit de propriété. Je vous renvoie encore à d'autres tchouvot, donc à des questions de droit, des questions et réponses de droit juif qui sont adressées à des rabbins. Une tchouva du rabbin David Ibn Abi Zimra, à la fin du XVIe siècle, qui mentionne une femme juive qui louait un local pour une synagogue. Dans l'Empire ottoman, beaucoup de femmes juives vendaient localement sur les marchés et servaient d'intermédiaires aux femmes musulmanes qui, elles, en fait, ne pouvaient pas nécessairement quitter leur maison, mais qui produisaient de l'artisanat chez elles. Impossible donc de parler de la condition des femmes juives en Turquie sans parler des kieras, ces femmes, souvent juives, qui servaient de confidentes, d'intermédiaires et de conseillères à la cour du sultan, tout particulièrement auprès de son harem. Parmi celles-ci, le nom de certaines sont restées comme conseillères politiques d'importance. C'est le cas de Esther Hanbadi et Esperanza Malri. Certaines servirent aussi de docteurs ou de sages-femmes. C'est le cas de la veuve d'un certain Shlomo Ashkenazi qui soigna le jeune sultan Ahmed Ier en 1603. En tant que femme d'affaires, Flora avait donc des précédents. Là où elle détonne davantage, c'est par son érudition, car le niveau d'éducation des femmes à travers tout l'Empire ottoman laissait à désirer. Seuls les garçons avaient accès à l'éducation. Et les carnets de voyageurs notent l'ignorance complète dans laquelle on maintient les femmes de Salonique. Au Yémen, il était interdit d'enseigner aux femmes la lecture ou l'écriture. En Syrie, il faut attendre 1889 pour que la première école pour filles soit ouverte. Et là, si je ne précise pas tout de suite que c'est une école de l'Alliance Israélite Universelle, Ariel va m'écrire dans le chat. Bien sûr, il y a des exceptions. Il a retrouvé dans la Gnisa du Caire des preuves de femmes enseignantes, notamment au Kurdistan, et en Eretz Israël. Bagdad semble cependant faire figure d'exception. Il y a, un courant, une coutume assez acceptée pour les familles d'employer des tuteurs pour leurs garçons comme pour leurs filles. En 1891, un rabbin ashkenaz, Yoshua Yelin, je me demande si je ne vous l'ai pas mis dans les fiches, se retrouve en Inde, communauté des Juifs de Bagdad. Là, il dit qu'il rencontre un Talmid Racham qui enseigna aux enfants de Ézéchiel Choua, filles comme garçons, car telle est la coutume en Inde, en tout cas dans la communauté bagdadi. Donc, on parle du même monde, du même univers culturel que la famille de Flora. Alors, on arrive enfin à Flora Sassoun, sa vie, son œuvre. Je me suis basée sur, on va passer à la fiche. Alors, j'ai sauté, excusez-moi, juste comme ça pour le plaisir, on peut regarder très rapidement la fiche 3. Et la fiche, voilà, vous avez en fait, c'était plus, et la fiche 8 aussi, voilà, là vous avez des legs en fait de tout l'Empire qui a été laissé par le clan Sassoun en fait à travers l'Inde, la Chine, etc. Donc, ce bâtiment par exemple, vous voyez, c'est assez surprenant, mais c'est une synagogue. Voilà, et on a aussi mis une autre, en fait, une dernière qui est très, très belle, la fiche qui suit, Sandra, la fiche numéro 9. Voilà, la magnifique synagogue de Mumbai. Donc, je vous disais que je me suis basée notamment sur une source que j'ai trouvée assez intéressante. Si on passe à la fiche numéro 11. Voilà, donc vous avez cette à gauche. Shem Tov Gagin, qui a écrit en fait un livre, Sefer Perek Shira, qu'il dédie à Flora Sassoun, et où en fait il parle d'elle. Et dans la fiche qui suit, donc fiche numéro 12, voilà, bon, alors c'est très petit, mais vous voyez ce qui est intéressant, donc il écrit donc,
Toldot Haye Rabbanit et Rabat Meola Ferat Fechar Sasson, etc. Donc déjà, il adresse du titre de Rabbanit. C'est pas le seul à le faire. On va en reparler. Elle n'est pas Rabbanit au sens où c'est utilisé aujourd'hui beaucoup dans un certain milieu ashkénaze pour parler de la femme du rabbin, mais bien parce qu'elle est reconnue pour ses propres compétences thoraïques, on va dire. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant avec cette source, c'est que, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde, par exemple, des rabbins d'Europe de l'Est des 17e, 18e, 19e siècle, on est assez habitué en fait, à des sortes de biographies qui sont en fait plutôt des hagiographies où on vous raconte, c'est un peu comme les films de Marvel, c'est toujours un peu la même histoire, bah, les biographies de rabbins célèbres du monde des yeshivas, c'est un peu toujours exactement la même histoire. Il était absolument brillant, à 3 ans, il connaissait la Torah, etc., etc. Donc des ouvrages biographiques dithyrambiques, c'est un genre littéraire juif qui est assez courant. Ce qui est incroyable ici, c'est que de un, on parle d'une femme, et que de deux, c'est écrit de son vivant. Et le début, pour ceux qui lisent l'hébreu, en fait, il raconte exactement ce que je viens de vous écrire, c'est-à-dire, oui, dès son plus jeune âge, elle a témoigné de capacités intellectuelles extraordinaires, piété, etc., etc. Donc ça, c'est une des sources dont je me suis servie. Voilà. Donc, Flora apprend très tôt, avec des tuteurs, comme c'est le cas pour les familles bagdadiotes fortunées, on en a parlé, mais son intelligence et sa soif de Torah va très vite sortir de l'ordinaire. Elle se marie à 19 ans avec un homme de 15 ans, son aîné, qui est l'oncle de sa mère. Ensemble, ils auront 3 enfants, David, Salomon, Sassoun. Alors, je vous avais dit que David allait revenir. Rachel Sassoun, Moselle Sassoun. Donc, le fils aîné, David, va avoir un fils qui s'appelle aussi Salomon David. Et le petit-fils, Isaac Salomon David, sa sœur, est encore en vie aujourd'hui. Et pour la petite histoire, il a écrit un livre sur le statut des femmes dans le judaïsme, ce que j'ai trouvé être un joli clin d'œil au legs de son arrière-grand-mère, si je ne me trompe pas. Donc, du fait du très grand décalage d'âge qu'il y a entre elle et son époux, elle se retrouve veuve assez tôt, en 1894. Et elle se retrouve à la tête de la fortune de son ancien, son défunt époux. Donc, petit clin d'œil à l'actualité, lorsqu'elle vit encore en Inde, elle va financer les travaux d'un homme qui s'appelle Valdemar Hafkin. Alors, ce nom ne dit peut-être rien, mais il a inventé un vaccin contre le choléra. Et elle a encouragé les hindous et les musulmans réticents à le prendre. Et ce n'est là qu'une des nombreuses illustrations de sa générosité. Et la générosité de Flora Sassoun s'étend bien au-delà en fait, de la tzedaka au sein même de la communauté. Elle construit des hôpitaux, etc. Elle se rend au Royaume-Uni une première fois en 1902. En 1911, elle déménage pour de bon en Angleterre. Sa fille, Moselle, a des graves problèmes de santé, donc elle se dit qu'elle sera probablement mieux soignée là-bas. Moselle est décédée assez tôt. En 1924, elle est invitée à présider une cérémonie au Jewish College, qui est un séminaire rabbinique. Et j'ai hâte d'entendre la présentation que Gabriel Abensour va bientôt nous faire de cette dracha historique de Flora Sassoun, dans laquelle elle démontre à la fois sa maîtrise des sources traditionnelles, mais adresse surtout avec ironie et mordant la misogynie qui sévit dans le monde rabbinique. En 1925, elle fonde une synagogue séfarade à Manchester, elle ouvre un hôpital, etc. Tout au long de sa vie, la rabbanite va correspondre avec les plus grands érudits du monde juif. Si sa correspondance avec le Ben Ishraï est célèbre, il faut aussi mentionner celle qu'elle gardera tout au long de sa vie avec le Rav Yitzhak Nissim, qui la cite dans ses shoutim, et il ne tarit pas de titres, d'éloges, la célèbre et brillante rabbinite, etc. Pour l'anecdote, leur premier échange commence dans une lettre très humble où il lui écrit pour la remercier d'avoir financé son livre. Je vais juste vous donner une liste de certains des grands rabbins avec lesquels elle correspond. Donc par exemple, le Rav Shlomo Elchanan Wasserman, qui est un lituanien, des Mekoubalim, des gens qui étudient la Kabbale en Eretz Israël, le Rav Shimon Shkop, le célèbre Yitzhak Alevi Herzog, qui fut un des grands rabbins d'Israël, le Rav Dessler, le Rav Eliyahu Lopatin, le Lav Beit Din de Londres, Lav Beit Din de Tripoli. La liste semble interminable. Et il me tarde d'entendre l'analyse que va nous donner Ephraim Kahn de sa correspondance avec ses rabbins. Ils sont tous, en tout cas, abasourdis par ses connaissances.
Et les réactions semblent être unanimement positives. Elle est citée comme exemple, ce qui peut paraître surprenant à des lecteurs contemporains quand on sait l'opposition que rencontrent aujourd'hui les femmes orthodoxes qui poursuivent une formation rabbinique. Mais mettons l'actualité de côté. Le Rav Herzog, par exemple, compose une magnifique et dithyrambique eulogie à sa mort. Il dira « un puits de Torah, de sagesse, de bonté, de charité, une loyauté sans faille à la tradition. De ce puits merveilleux, Israël peut puiser la motivation la plus élevée, une sublime inspiration. Je voulais terminer cette intervention en citant la question que posait le Chacham Yonatan Alevi, qui est le rabbin de la communauté Shaarei Shamaim de San Diego. Ici, une question laissée à jamais sans réponse par le Rav Yitzhak Nissim, dont je vous ai parlé, qui a eu une longue correspondance avec elle. Alors, vous le savez peut-être ou peut-être pas, il existe une bénédiction spéciale quand on rencontre une personne qui détient une très grande connaissance en Torah. Baruch Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shechala Mechochmato Lereya. Béni sois-tu l'Éternel qui a partagé ta sagesse avec ceux qui te craignent. La question que le Rav Yitzhak Nissim se posait et qu'il adresse à la rabbinite Sasson, c'est s'il était possible de réciter cette bénédiction la concernant. Le Rav Nissim n'y répondit pas et Flora Sasson décéda quelques temps après. J'espère ce soir, moi, vous avoir convaincu. Et Zichra Baruch, que la mémoire de la rabbinite Sasson soit une bénédiction pour tout l'Israël. Merci beaucoup, Sophie, pour cette intervention et pour cette découverte biographique de Flora Sasson à qui nous consacrons cette soirée. Alors, nous avons décidé, lorsque nous avons conçu cette soirée, d'avoir une partie musicale et de faire quelque chose d'assez original, puisque vous l'avez compris, Flora Sasson a passé une partie de sa vie en Inde, même si ce n'est pas toute sa vie qu'elle a vécue en Inde, comme nous l'a appris Sophie. Mais nous avons décidé d'écouter des piyutim originaires d'Inde. Et pour cela, nous avons vraiment le plaisir d'accueillir Tova Castiel Aharon. Tova Castiel Aharon, qui est originaire de la communauté juive de Cochin, Kerala. Sa famille est installée à Beth Shemesh. Elle a fait toute sa carrière en tant qu'enseignante en Israël. Et aujourd'hui, elle chante, elle enseigne les piyutim et le chant des femmes de Cochin dans le cadre de Keilot Sharot, une association bien connue en Israël. Mais elle est également l'auteur d'un album de piyutim, d'un livre sur la communauté dont elle est originaire. Et aujourd'hui, elle participe à des travaux d'histoire orale dans le cadre de l'Institut Ben Tzvi à Jérusalem. Alors donc, nous l'avons invitée aujourd'hui à interpréter des chants traditionnels des Juifs d'Inde. Et le premier qu'elle a choisi, Yom Yom Yidroshun, un piyut de Rabbi Israël Nadjara, un célèbre poète mystique ayant principalement vécu à Safed. Et lorsque Tova Castiel Aharon m'a expliqué pourquoi elle le choisissait, elle m'a dit que c'était un chant qui était interprété Shabbat, également lors de la fête de Pessah, mais qu'elle le choisissait ce soir parce qu'il y est fait référence à Kibbutz Galouyot, à la réunion des exilés, et qu'elle y trouvait un très beau symbole pour l'un des premiers liens, peut-être, entre la communauté juive française et les juifs d'Inde originaires installés aujourd'hui en Israël. Merci beaucoup à Tova d'avoir accepté notre invitation et nous lui laissons tout de suite le micro. Reftov, bonsoir. Namaste. It is in India. I am very excited. אני צריכה לברך שהחיינו עם יהדות צרפת, זו פעם ראשונה. אני מקווה שלנו ערב טוב, בבקשה. יום יום ידרושון אליך הרעיוני, גם יחר אישון בך כל מעייני, שפה נפשי לחזות בנועם, שוב חיים עדי, אל תוך ארמוני, ריחקת מיני לשמי גבוהים,
ולך כמהים ליבי בעיניי. אוי וישאל עד אין קץ חזיוני, אשיבה לא עולה, לא עם פתרוני, למה לנצח, דו תשכחני, אשוק ורצות בין ידמוני, ביתק בחרבו, נדודך קרבי, ובתוך לבבי קרא לו חלוני, רבה צבאלה, נפשי יגוני. אתה כקדם, חדש ששוני, מתי תעשה ברודפי משפט, מתי תושיע נפשות אביוני, שובה רבבות אלפי ישראל, ולתוך הראל קבץ המוני. את אוזניך לי שמה אמרתי, והקשיבה אל כל תחנוני, יום יום ידרושון לחריוני. גם יחרישון בך כל מעייני. תודה רבה, טובה, איזה תענוג לשמוע אותך, תודה רבה. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième intervention, l'intervention de Gabrielle Abensour, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque nous l'avons souvent lu à travers le blog Moderne Orthodoxe, désormais appelé Adraba. Il est le cofondateur avec Bitya Rosen du Beit HaMidrash francophone Tashma à Jérusalem, et nous avons suivi notamment beaucoup de sessions pour ceux qui sont en France ces derniers mois sur Zoom grâce à ce Beit HaMidrash. Et je dois dire qu'il était absolument évident pour nous d'inviter Gabrielle Abensour à participer à cette soirée, parce que finalement, pour le public francophone, je pense que c'est l'article de Gabrielle qui, le premier, nous a fait découvrir le personnage de Flora Sasson, qui, à mon avis, encore une fois, dans le monde francophone, était totalement méconnu avant ce premier article. Donc, simplement déjà pour ça, merci beaucoup, Gabrielle, et merci d'avoir accepté notre invitation pour intervenir sur un document assez extraordinaire. Flora Sasson avait, en 1923, prononcé le discours annuel au séminaire rabbinique orthodoxe de Londres. Imaginez-vous une femme qui prend la parole devant autant de rabbins dans un cadre orthodoxe en 1923. C'était possible à Londres. Est-ce que ça allait quasiment 99 ans plus tard en France, à Paris? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Gabrielle et de l'entendre sur ce sujet. Vous m'entendez? Ouais. Donc, merci beaucoup, bonsoir. Merci aux organisateurs et organisatrices, et merci aussi à Sophie pour cette introduction. Je vais me focaliser pendant le temps qui m'est imparti, je vais me focaliser sur un seul document, qui est le document principal qu'on a en fait de Flora Fahasasson. À travers le document, le seul document en fait qui est un discours retranscrit et à travers lequel on peut voir l'érudition du personnage. Mais ce qui m'a intéressé, c'est pas uniquement le texte lui-même et l'érudition, mais aussi l'usage qu'on en a fait, parce que pendant longtemps, ce texte-là était le seul texte accessible à un public au large public, notamment en Israël. Lorsqu'on parlait de Flora Sasson, on pensait à ce texte-là. Et en fait, on va réaliser que ce texte-là, qui avait été traduit en hébreu par un rabbin en 1934, avait été pas mal modifié. Et je vais vous raconter l'histoire du texte original que j'ai réussi à retrouver. Donc, ça sera dans quelques instants. Je fais un partage d'écran. Voilà. Alors, un instant.
Donc, comme je vous le disais, en 1923, comme nous l'a dit Ariel, en 1923, Flora Farrar-Sasson, qui est déjà d'un âge avancé et qui est installée à Londres depuis quelques années, est invitée par le séminaire orthodoxe de Londres pour prononcer l'homélie annuelle devant les rabbins, devant la nouvelle et devant aussi les élèves rabbins. On peut évidemment supposer que l'invitation est aussi liée au fait qu'elle est une mécène importante, mais comme l'a dit Ariel avant, je doute qu'aujourd'hui le fait d'être une grande donatrice puisse suffire pour prononcer ce discours-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le discours nous est parvenu à travers le livre d'un rabbin orthodoxe, et d'ailleurs l'histoire est liée à la France, ça fait la petite anecdote en plus. Le rabbin qui a publié ce discours-là en hébreu, et c'est, vous avez la photo du discours tel qu'elle a été publiée en 1934, c'est le Rav Herzog, le Rav Yoel Herzog, père du Rav Yitzhak Herzog que Sophie a cité avant, qui a été le premier grand rabbin d'Israël. Mais, et je pense que c'est moins connu, le Rav Yoel Herzog a aussi été le fondateur de la communauté de la rue Pavée à Paris. C'était le rabbin de la communauté orthodoxe d'Europe de l'Est parisienne, une communauté qui était indépendante du consistoire déjà à l'époque. Je suppose, je n'ai pas réussi à trouver la trace, mais je suppose que Flora Sasson faisait aussi partie des donateurs de l'institution. C'était encore une fois une femme qui a soutenu énormément de causes, certaines universelles, certaines juives, et qui a notamment soutenu l'orthodoxie à travers le monde et en Europe. Et donc, ce rabbin-là faisait probablement partie de ses donateurs. Il décide de publier ce texte-là. Lui-même a vécu en Angleterre à la fin du XIXe siècle, donc je suppose qu'il devait être présent le jour de cette homélie-là. Et il décide en 1934 de nous publier le texte. Le texte tel qu'il existe en hébreu et tel qu'il a longtemps été lu et compris est en fait assez étrange, parce qu'on y découvre une femme qui semble tenir un discours parfois complètement contradictoire, notamment autour de sujets liés à la position des femmes et à leur acceptation dans le monde rabbinique. Je vais tout de suite donner deux exemples plus concrets. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, lorsque moi j'avais ce texte en main, je me disais il y a un problème, quelque chose a dû être mal retranscrit. Flora Sasson a parlé en anglais. Ce texte-là, il a été publié 2 ans avant sa mort, mais je ne sais pas dans quelle mesure elle a pu le relire. Elle était déjà bien fatiguée à cette époque-là. Et il y a des contradictions dans le texte lui-même qui prouvent que la personne qui a retranscrit le texte n'a pas pu comprendre l'ensemble des idées. On peut aussi ajouter un autre élément intéressant, mais qui est assez fréquent dans la littérature rabbinique, c'est que bien que le texte, vous voyez le titre, pour ceux qui savent lire l'hébreu, voilà, vous voyez le titre que le Rav Herzog a donné, Drasha mea mufleget ou mushlemet rabbanit marat farhastason agra birlandon, l'homélie de l'incroyable et de la parfaite rabbinite Madame Farhar Sasson qui vit à Londres. Donc, malgré ce titre très, très élogieux et qui met en valeur Farhar Sasson, lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que souvent, le Farhar Sasson est décrit qui parle à la première personne et retranscrit au masculin. Et là, je pense qu'on commence déjà à toucher du doigt un des problèmes qui est une sorte de barrière linguistique qui est aussi, si vous voulez, les frontières de l'imaginaire rabbinique jusqu'au XXe siècle. À savoir le fait qu'on est tellement habitué à parler entre hommes que ça se retranscrit souvent dans les textes rabbiniques. C'est quelque chose que je vois régulièrement dans mes recherches et dans mes études, où les rabbins, même lorsqu'ils parlent d'une femme ou des femmes en général, utilisent le singulier, le masculin. Et je pense que c'est révélateur, de cette incapacité à intégrer ou à voir les femmes comme sujet de la discussion rabbinique. Alors, quand je vous ai dit, ce texte m'a toujours surpris, et dans mes recherches à la Bibliothèque nationale israélienne, j'ai réussi à découvrir le texte original en anglais. Le texte n'a jamais été publié, mais apparemment après le discours, Farhar Sasson a fait imprimer quelques fascicules. Je ne sais pas quel nom, mais le seul texte que j'ai réussi à trouver, c'est celui-ci. Quelques fascicules qu'elle a adressés à des gens qu'elle connaissait. Vous voyez que dans ce texte-là que j'avance les mains à la Bibliothèque nationale israélienne, on voit même sa carte qui est encore présente, qui était comme ça avec une petite, qui était accrochée au fascicule, avec les compliments de Madame Flora Sasson. Donc on suppose qu'elle a envoyé ça à différentes personnes. On remarque aussi le titre qu'on ne connaissait pas. Elle a nommé son homélie Sefat Perar Shushan, que j'ai traduit par Discours de la fleur de lis.
Alors ici, on retrouve, pour les personnes qui connaissent la tradition rabbinique séfarade, on retrouve les jeux de mots habituels des rabbins séfarades lorsqu'ils nomment leurs ouvrages et leurs livres, où en général, on fait un jeu de mots avec le nom de l'auteur. Et ici, on retrouve donc en fait le jeu de mots, donc le Perach et Shushan, qui fait ici allusion au prénom de Frassasson, donc Facha, qui a la même racine que Perach, mais aussi la traduction de son nom anglais, le nom Flora, qui fait allusion à la fleur. Donc ici, on retrouve les deux, et Shushan, qui fait allusion ici, évidemment, à son famille Sasson. Donc on a ici l'original. Et en rentrant dans le texte, sans surprise, j'ai découvert qu'il y avait effectivement des différences assez significatrices, qui, à mes yeux, je ne pense pas que, je dois le dire, je ne pense pas que le Rav Herzog a tenté de censurer le texte ou a tenté de le modifier. Je pense vraiment qu'on réalise que le discours de Farah Sasson à ce moment-là ne pouvait pas être intégré par une partie de son auditeur, des rabbins présents et du public, tant le monde rabbinique n'était pas habitué à entendre la parole d'une femme, et tant on est encore moins habitué à entendre une parole critique sur certains points, notamment sur la place des femmes. Alors j'ai apporté deux exemples, et je vais me focaliser surtout sur le premier, c'est vraiment l'ouverture du discours. Et donc le texte que nous connaissions tous pendant des années, c'était donc le texte en hébreu. Je vais résumer rapidement. Le texte en hébreu donc s'ouvre, il s'ouvre avec une interrogation qui apparaît dans les deux textes, en anglais et en hébreu. L'interrogation de Farah Sasson qui dit, c'est pourquoi après 70 ans d'existence, le séminaire rabbinique orthodoxe de Londres décide enfin d'inviter une femme à prendre la parole. Mais dans le texte en hébreu, la question est immédiatement vue comme une question, on va dire, rhétorique, où Farah Sasson va elle-même critiquer le fait qu'on a invité une femme. Donc, chose qui ne paraît pas a priori surprenante. Elle va donc, encore une fois, c'est la lecture qu'on fait ou la retranscription qu'on fait, Laura Herzog. Il va la citer comme apportant un enseignement talmudique. L'enseignement dit la chose suivante, un texte qu'on connaît aussi de la prière, qu'on nous dit que tous les achat les shishim ou les shivim shana aitabash el shiraim nachatzein, c'est-à-dire que tous les 60 ou 70 ans, on ramassait les restes de l'encens de la kétorette, donc au Beth Amikdash, au temple, et avec ces restes-là, on formait un nouvel encens qui était utilisé, qui suffisait encore pour une demi-année. Donc, Farah Sasson prend ce texte-là et dit, peut-être que les rabbins ici présents, peut-être que le séminaire orthodoxe rabbinique de Londres estime que tous les 60 ans, 70 ans, on peut se préoccuper des restes, les restes ici qui seraient les femmes qui sont laissées de côté, mais pas du tout comme une critique dans le texte du Rav Herzog, au contraire comme une confirmation, puisque Farah Sasson rajoute, mais sachez que ce n'est pas une bonne chose, que même tous les 70 ans, donner la parole à une femme, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi ce n'est pas une bonne chose? Là, voilà qui cite un texte de la prophétesse Déborah, un texte de la Haftara qu'on a eu la semaine dernière, ça va être dit en passant, où Déborah dit à son compagnon, dit à Barak, elle lui dit, si tu viens avec moi au combat, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Et le texte est rapporté par Laura Herzog, est interprété par Laura Herzog au nom de Farah Sasson, comme disant la chose suivante, moi, Déborah, je dois agir bien que je ne suis qu'une femme, parce qu'aucun homme n'a le courage de le faire. Autrement dit, si je suis invité moi à prendre la parole aujourd'hui devant vous, c'est parce que malheureusement, il n'y a pas d'homme à la hauteur, ce qui est un problème. C'est-à-dire que dans un monde patriarcal idéal, aucune femme n'aurait dû être invitée. Ça, c'est la lecture, j'ai envie de dire, traditionnelle, celle qu'on a eue pendant des années et des années, jusqu'au moment où j'ai découvert donc, le texte en anglais, que je sais aujourd'hui qu'il est exploité par des chercheurs et des chercheuses. Je suis content de savoir que peut-être la réception sera un peu différente dans quelques années. Le texte en anglais, vous l'avez devant vous, il dit quelque chose de tout à fait différent. Dès le début, on sent le ton ironique, si vous voulez, une Farah Sasson sûre d'elle, qui dit au rabbin auquel elle s'adresse, enfin, vous avez enfin pris le temps d'inviter une femme pour parler devant vous, et sachez que nous aussi, et peut-être que vous pensez que nous, les femmes, nous sommes comme ces restes de la Torah, mais pas du tout. On n'est pas les restes auxquels on s'intéresse tous les 60 ans ou 70 ans. Nous avons aussi une pleine part dans la tradition juive, et une de mes preuves, et elle ouvre avec ça, et une des preuves que les femmes ont une pleine part dans la tradition juive, c'est évidemment la figure de la prophétesse Déborah, qui n'est pas du tout interprétée comme une figure qui apparaît parce qu'aucun homme n'est à la hauteur, mais au contraire, qui est présentée comme une figure qui décide d'agir en collaboration avec les hommes, non pas ni contre eux, ni sans eux, mais vraiment ensemble, si vous voulez, une sorte de modèle idéal,
où femme et homme, où ici Déborah et Barak agissent ensemble. Elle cite le verset « Im telchi imi va'alarti, v'im lo telchi imi lo'eler », à savoir Déborah qui dit à Barak, nous devons agir ensemble, il faut que nous devons avoir, c'était peut-être l'origine du premier minyan participatif, en tout cas de la première vision religieuse participative, à savoir cette volonté-là, non pas de créer une zone parallèle uniquement féminine où les femmes pourraient exercer pleinement un leadership religieux, ni de remplacer le leadership masculin, mais vraiment de le faire côte à côte. C'est comme ça que François Sasson le présente. Et elle rajoute qu'après le combat, une fois le combat gagné, Farah Sasson s'adresse, Déborah, la prophétesse Déborah s'adresse dans son célèbre chant, elle s'adresse au public et donc aux hommes, et elle leur dit, et elle leur dit notamment Baruch Hashem, béni soit l'Éternel, à savoir béni soit l'Éternel de m'avoir choisi moi pour vous diriger et de vous avoir fait accepter mon leadership puisque celui-ci s'est avéré gagnant. Et elle rajoute Shimu Malachim, donc elle commence comme ça son chant, elle dit roi, entendez-vous? Et nous dit Farah Sasson, qui sont ces rois-là? Elle cite une phrase du Talmud, Man Malki Rabbanan, qui sont les rois? Les rois, ce sont les sages. Autrement dit, on a ici en fait un retournement où Farah Sasson dit, voilà que Déborah prend la parole devant les sages de l'époque et leur dit, apprenez à écouter les femmes, apprenez à écouter ma présence en tant que prophétesse, mon érudition en tant que femme érudite et à accepter mon leadership. Et c'est évidemment ça que Farah Sasson dit aussi à Sarah Bandla à Londres en 1923. Qui lui font d'un côté l'honneur d'intervenir, mais comme nous l'a dit Sophie, c'est malheureusement un honneur qui n'est réservé en général que très très rarement et qu'aux femmes qui ont déjà certains privilèges, notamment le privilège du statut social. Et Farah Sasson, loin de se désolidariser des autres femmes, dit à ces rabbins-là, c'est bien que je sois là, mais ce n'est pas du tout suffisant, vous devez apprendre à faire plus de place à un leadership féminin, à la voix des femmes au sein de la tradition juive. Le deuxième exemple qui est aussi, à mes yeux aussi intéressant, le deuxième exemple de censure en fait, ou de changement, de modification du texte, c'est un exemple qui concerne le mouvement juif libéral ou réformé de l'époque. Dans le texte du Rav Herzog, on découvre une attaque en plein milieu du discours. Donc, le discours était devant un séminaire orthodoxe. On a une époque où il y a des tensions entre, notamment à Londres, entre la communauté orthodoxe et la communauté juive réformée. Et donc, Farah Sasson, en plein milieu du discours, elle parle du leadership rabbinique, du rôle des rabbins. On se rappelle qu'elle s'adresse à des rabbins et à des élèves rabbins. Elle cite le verset « Akol kol Yaakov veyadein yedei Esav ». Voici qu'on entend, c'est le verset que dit Isaac, le patriarche Yitzhak, à son fils. Il lui dit « J'entends la voix de Jacob, mais les mains sont les mains des sots ». Et dit Farah Sasson sur ce verset-là, que la voix de Jacob, c'est évidemment la voix des maisons d'études, la voix des synagogues, et cette voix-là doit être entendue pour combattre les mains d'Esav, les mains donc, du frère qui veut attaquer en permanence, etc. Le Rav Herzog rajoute une phrase, et en fait commente, j'ai envie de dire, parce que, sauf qu'il n'explique pas que c'est un commentaire, il la rajoute en plein texte, il rajoute une phrase et il dit qu'il s'agit des rabbins de, vous voyez même le mot ici écrit avec une orthographe un peu yiddish avec les haïn, des rabbins réformés qui transforment la Torah, qui attaquent la Torah, et donc si vous voulez, Farah Sasson qui deviendrait ici une figure séparatiste en train d'attaquer ses frères juifs. Alors maintenant, Farah Sasson était une femme tout à fait orthodoxe qui toute sa vie a défendu une pratique juive orthodoxe mais qui n'a jamais pour autant adopté un point de vue séparatiste, qui a toujours échanger avec des juifs de tout horizon, qui a soutenu des causes juives tout à fait variées, pas uniquement des causes juives orthodoxes, qui a aussi d'ailleurs écrit un article dans une revue libérale américaine où on l'avait invité à écrire, elle avait participé. Et lorsqu'on lit le texte en anglais, sans surprise, aucune allusion à ces juifs-là, et le texte en fait ne parle pas du tout des juifs, puisque ce que dit Farah Sasson, je vous ai mis l'extrait, il commence aussi un peu avant, elle cite ce verset-là et elle dit en fait que la seule chose qui peut protéger les juifs à une époque tendue de l'antisémitisme ambiant, de ces mains d'Esav qui veulent attaquer, qui ne sont pas ici les juifs réformés, mais qui sont bien les non-juifs antisémites qui veulent attaquer la communauté juive dans son ensemble et qui d'ailleurs ne font pas la différence entre les juifs orthodoxes et les juifs réformés, nous dit Farah Sasson, c'est le rôle des rabbins de faire entendre la voix de Jacob en prière, en études, en érudition, etc., pour que cette voix-là puisse stopper
les dérives, les dangers qui menacent la communauté juive et les dangers qui sont, encore une fois, extérieurs, qui sont, et notamment le danger de l'antisémitisme. Alors, on pourrait continuer encore longtemps, on pourrait discuter de l'érudition de Farhat Sasson dans ce texte-là, des sources qu'elle apporte, etc. Je n'ai pas assez de temps pour le faire en détail. Je veux d'abord dire que le texte entier, le texte en anglais, donc l'original, a été traduit en français par Nourit Brown et mis en ligne sur le site Adraba. Vous pouvez écrire Adraba Farhat Sasson sur Google, vous trouverez très facilement. Donc, vous pourrez lire là-bas en détail. Mais ce qui m'intéressait ici, c'était de parler d'elle, de son érudition, mais aussi du fait qu'à son époque déjà, il y avait ce côté un peu, on a entendu le professeur Vanna et aussi Sophie qui a rebondi sur ça, qui nous parlait tous les deux en fait de l'exception, du fait que les femmes vont être effacées, du fait que lorsqu'une femme est déjà présente, on va l'utiliser parfois au contraire comme exception qui confirme la règle de l'exclusion, etc. Et ici, je pense qu'on trouve en fait les deux phénomènes à travers le seul texte en hébreu qui nous était parvenu jusqu'à là de Farhat Sasson. D'un côté, en fait, l'effacement d'une partie de son discours, d'une partie de sa personnalité à travers un texte qui est censé la mettre en valeur, à travers une retranscription rabbinique de son texte à elle. Encore une fois, je ne pense pas que c'est mal intentionné, mais je pense que c'est vraiment à cause de certaines limites cognitives du monde rabbinique orthodoxe à cette époque-là qui n'arrive pas à assimiler une figure telle qu'elle, une figure telle que Farhat Sasson. Encore plus dans le monde rabbinique orthodoxe ashkénaze, il faut dire, puisque je pense que tant les tensions avec le mouvement réformé que cette vision très très dogmatique du rapport entre les genres, etc., était plus présente à ce moment-là là-bas, puisque, comme va nous dire tout de suite Ephraim Kahn, Farhat Sasson a échangé de façon beaucoup plus, on va dire, d'égal à égal, avec des rabbins séfarades importants. Et le deuxième élément, c'était celui que Sophie avait cité, donc cette exception qui confirme la règle. On remarque que c'est précisément ce qu'a tenté de faire le Rav Herzog, en fait, d'utiliser Farhat Sasson pour confirmer l'exclusion des femmes, pour lui faire dire que les femmes n'ont pas à prendre la parole en général, que c'est quelque chose qui doit rester exceptionnel, alors qu'en fait, Farhat Sasson fait exactement l'inverse et dit « je ne veux pas être l'exception qui confirme la règle, je ne veux pas être la seule femme ou une femme qui parle tous les 70 ans, j'aimerais que le séminaire orthodoxe rabbinique de Londres puisse donner la parole aux femmes chaque année, et pourquoi pas, puisse aussi intégrer des élèves femmes dans ses rangs. Ça, j'avoue, je m'avance, mais peut-être aussi. Merci à vous. Et... Merci beaucoup, Gabriel Amensour. Alors, effectivement, merci beaucoup pour cette intervention. Du coup, on a hâte de découvrir la suite. C'est effectivement Ephraim Kahn qui va bientôt enchaîner sur les échanges épistolaires de Flora Farhat Sasson et des rabbins de son époque. Mais avant ça, c'est Tova Castiel qui va à nouveau nous chanter un chant. Alors cette fois-ci, alors déjà avant de vous entendre chanter encore, je voulais préciser que Tova, vous avez dit en hébreu, pour ceux qui n'ont pas compris, vous avez voulu faire Cheheyanu parce que c'est votre première fois avec la communauté juive en France. Donc voilà, on est ravis de vous avoir pour cette première fois. Je sais que vous ne comprenez pas ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Thank you for being here again, Tova. And for this first time in the French community, we are glad that to be the first to host you. And so, donc maintenant, vous allez nous chanter le chant Shir Hadash, qui est un chant qu'on connaît, je ne sais pas si c'est un chant qu'on connaît, c'est un chant en tout cas de la tradition de la communauté des Bnei Israël, qui est une communauté indienne. De Mumbai. Et c'est un chant spécifique à Shabbat Shira, qui était donc Shabbat il y a quelques jours. Tova Castiel à Aaron, merci. Shir Chadash, Ashir Beshem El, Hakadish Ba'adat Ariel, Azia Ashir, Moshe Israel, Ashira Zot Ladonai, Manich Sefa, Kalta Nafshi, Lishkon Becha, Trot Bet Kodeshi. מניח שפה קלת נפשי לשכון בך תרות בית קודשי להקריב לו לחם אישי ריח ניחו ואחל אדוני אז ישיר משה ישראל השירה
זאת אל אדוני וארננלו ברוב גילה וברוב חדבה וצהולה וארננלו ברוב גילה וברוב חדבה וצהולה איפה זה אני אחרגע סליחה? כן. שבחו תהילה הללויה הללויה עבדי אדוני אז ישיר משה ישראל השירה זאת לאדוני אני לאלוהים אקרא תצילנו מכל צרה אני לאלוהים אקרא תצילנו מכל צרה והוא יהיה לנו עזרה נדבות פי רצה אדוני אז ישיר משה ישראל השירה זאת לאדוני לנו ישלח משיחנו במהרה יבוא אלינו לנו ישלח משיחנו במהרה יבוא אלינו ויעלנו לארצנו לחזות בנו עם אדוני אז ישיר משה ישראל השירה זאת לאדוני Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tova Castiel. Alors, on continue cette soirée avec Ephraim Kahn, qui va donc intervenir pour cette troisième et dernière partie, puisque j'ai l'impression que c'est un petit peu celle qu'on attend tous, puisque Gabriel et Sophie en ont parlé, en tout cas ont entamé la discussion. Mais avant d'entamer, Ephraim, tu es donc tu es un talmudiste basé à Paris et amoureux de poésie juive notamment, mais pas que. Tu as été conseiller d'éducation juive pour la EUGS, l'Union européenne des étudiants juifs. Et puis, tu assistes un chercheur en philosophie du droit talmudique à l'Université libre de Bruxelles. Tu es déjà intervenu lors de la soirée de la communauté lecture CFR pour Hoshana Rabba, de la veillée d'études de Hoshana Rabba. Donc, on est ravis de te retrouver ce soir. Et tu vas donc nous parler des échanges mais certains échanges en particulier avec les différents rabbins. Tu vas nous en dire plus. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sandra. Et bravo pour l'initiative à tous ceux qui ont contribué. Dans un cadre habituel, je devrais dire, Sophie et Gabriel ont parlé si bien et on si bien couvert le sujet qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Sauf que là, on n'est pas dans un cadre habituel, on parle d'une personnalité exceptionnelle, on parle de Flora Farrakhan. Et c'est pourquoi, avec tout ce qui a été dit et si bien dit, il reste encore énormément de choses à dire, tellement de choses à dire qu'on ne pourra pas toutes les couvrir ce soir. Comme l'a présenté Sandra, je vais partager avec vous ce que j'ai trouvé dans mes recherches des différentes correspondances, des échanges épistolaires de Flora Farrakhan. Mais le corpus de ces correspondances est tellement vaste que je ne vais pas pouvoir parler de son intégralité. Donc, je laisserai de côté volontairement tous les échanges qui ont attrait à la philanthropie. C'est un sujet qui est très intéressant. On y voit plein de choses passionnantes. Et enfin, je ne vais pas pouvoir commencer à parler de ça, sinon je ne m'arrêterai pas. Je vais me concentrer plutôt sur ces échanges qui concernent les sujets d'études, notamment de Halakha. Donc, il faut savoir que Flora Farrakhan a échangé avec un très grand nombre de rabbins.
il y a très peu de personnes, il y a très peu de gens de sa génération qui ont échangé en fait avec autant de rabbins, autant d'éminentes personnalités du monde de la Torah. Et si on exclut en fait, si on met de côté les rabbins, en fait, il reste plus grand monde qui a eu l'opportunité d'échanger avec ce nombre, un nombre si important de rabbins de pointure dans le monde de la Torah. Donc, je pense qu'elle fait partie d'une élite absolue, en fait. Ce n'est pas uniquement relatif au fait qu'elle était femme. C'était réellement un personnage exceptionnel. Donc, pour pouvoir présenter les choses de manière pédagogique, j'ai fait un choix un peu artificiel de vous présenter des échantillons de trois catégories d'échanges, de trois catégories de questions toraïques et halakhiques qu'elle a pu avoir. Et je me suis basé pour ça, pour cette recherche, sur trois livres. Donc, le premier s'appelle Prakim Betoldot Yadut Bavel, qui raconte l'histoire d'une branche de la famille Sasson qui est parue à Jérusalem en 89 par un descendant de Flora Farha Sasson. Le second livre s'appelle Nachalat Avot, l'héritage des pères, qui est paru à Jérusalem en 2007, aussi par un descendant de Flora Farha Sasson. Donc, dans ces deux livres, il y a un recueil de questions et d'échanges de Flora Farha Sasson avec différents grands maîtres, notamment le Rav Yitzhak Nissim et le Ben Ishray, issus de la collection privée de la famille Sasson. Enfin, je me suis basé aussi sur le Shelot Utshuvot Yein Hatov, le livre de responsa du Rav Yitzhak Nissim, grand rabbin séfarade d'Israël, avec lequel elle a eu des échanges épistolaires avant même qu'il devienne grand rabbin d'Israël. Donc, j'ai choisi de répartir les échanges halakhiques en trois catégories. En général, quand on répertorie des responsum halakhiques, on le fait sur différents critères, notamment sur le lien qu'il y a entre la question posée et la réalité de la vie, donc l'aspect théorique ou pratique de la question. Mais vu la particularité du sujet, j'ai choisi de le faire sous un prisme un peu différent, certes biaisé. C'est celui de la question de l'identité masculine ou féminine dans l'étude de la Torah, parce que je pense qu'elle nous permet de mieux comprendre, de mieux saisir l'ampleur de ce dont il s'agit ce soir. La première catégorie. La première catégorie, c'est les questions qui concernent la vie de la femme juive, ou ce que certains appellent la vie juive de la femme. C'est des questions qui couvrent évidemment toutes les questions de Nida, de Mikvé, donc les questions des cycles et des menstruations. Il y a d'autres questions qui peuvent concerner, par exemple, les obligations des femmes à accomplir ou pas certains commandements. Et c'est un sujet qui est très intéressant. Et là, à ma grande surprise, je n'ai pas trouvé grand-chose. En fait, Flora Farha Sasson, avec les dizaines et peut-être les centaines d'échanges qu'elle a eus avec les différents rabbins, elle ne s'est pas penchée forcément sur des questions qui concernent les femmes. Il y a plusieurs raisons à cela, je suppose. En ce qui concerne les questions de menstruation et de mikvé, d'abord, elle a grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'érudition. Évidemment, elle a sûrement été formée dans son jeune âge. Elle n'avait pas besoin de consulter, je suppose. Mais dans les sujets qui concernent les femmes, tout ce que j'ai trouvé, c'est une lettre dans laquelle elle s'adresse à un rabbin de Londres, le rabbin Adler, en lui demandant de l'aide pour une femme Aguna. Et ça, pour moi, ça ne rentre pas dans la catégorie des questions halakhiques, des échanges halakhiques. Pour moi, c'était philanthropique, ça faisait partie de l'aide qu'elle apportait à tous ceux qu'elle pouvait aider.
Et la seule autre question que j'ai trouvée, à part une question théorique qui concerne un sujet talmudique qui n'est pas du tout d'application, en fait, dans la vie quotidienne d'une femme, la seule question que j'ai trouvée est celle de la lecture de la Megillah pour les femmes. Non pas par les femmes, mais quand un homme lit la Megillah pour la femme, est-ce que l'homme fait la bénédiction ou pas ? Elle adresse cette question au Rav Yitzhak Nissim, qui lui dit que, en gros, c'est déconseillé. Et ce qui est très, très surprenant de la part du Rav Yitzhak Nissim, c'est qu'il cite un autre décisionnaire halakhique qui dit carrément que Yesh Kama Mehaposkim, certains décisionnaires sont d'avis chez Lo Yevarech Lenashim, qu'il ne faut pas faire la bénédiction lorsqu'on lit pour les femmes, dit des Hanashim Enan Mevinin ou Mesichin Da'atan Al Korhan Merov Amarcherot. Parce que les femmes ne comprennent pas ce qui est lu, et là c'est la cerise sur le gâteau, elles ne peuvent pas se concentrer pendant la lecture, c'est pourquoi il ne faut pas faire la bénédiction, parce que ça risque d'être une bénédiction vaine. Bon, surprenant, en tout cas, c'est le seul échantillon que j'ai trouvé qui concerne directement la halakha, qui concerne directement une question de la vie juive des femmes. Et toutes les autres questions sont des questions qui couvrent une multitude de sujets, je dois vous dire, hormis des gens qui sont, on va dire, des fonctionnaires de l'étude de la Torah, et même parmi les érudits, il y a très peu de gens, en fait, qui sont capables de poser des questions sur autant de sujets que Flora Fakhrassasson. Ça veut dire, les questions qu'elle pose varient de questions sur le sens d'un passage talmudique à des questions sur la modernité et la halakha, notamment la technologie, l'électricité et compagnie, des questions philologiques, des questions sur les coutumes juives, des questions parfois qui touchent à la mystique juive, mais ce n'était pas forcément son domaine de prédilection, et encore d'autres questions, notamment l'histoire juive, etc. Et c'est fascinant de voir que, en fait, ce n'était pas juste une femme qui connaissait beaucoup pour son époque, c'était simplement une personne érudite en Torah. Et donc, pour le reste des questions, j'ai choisi de les diviser en deux catégories. La première, c'est celle qu'on poserait typiquement au rabbin de la synagogue. Alors, qu'est-ce que j'inclus dans cette catégorie ? Vous savez, il y a plein de questions pour lesquels il faut une certaine sensibilité. C'est une question que la majorité des gens ne se posent pas. Mais dès qu'on a la question, c'est une question qu'on n'a pas besoin d'adresser à un génie en Torah. C'est une question qu'on peut adresser. Vous savez, il y a l'équivalent dans tous les domaines. Il y a des questions qu'il faut simplement demander aux personnes qui savent, et d'autres pour lesquelles il faut réellement consulter des experts. Donc, dans la première catégorie, que j'ai appelée artificiellement ce qu'on pose typiquement un rabbin de synagogue, j'inclus plein de questions qui, en fait, demandent une certaine sensibilité, mais qui, si Fakhrassasson n'était pas la Rothschild qu'elle était, je doute, en fait, qu'elle eût reçu cette attention de la part des rabbins pour lui répondre à toutes ces questions. Donc là, il y a quelque chose de fascinant en termes de théorie féministe, c'est la question du pouvoir qui entre en jeu. Je ne vais pas en parler simplement parce que je ne maîtrise pas le domaine, mais c'est quand même fascinant de voir qu'il y a plein de questions qui sont très intéressantes et qui peuvent uniquement être posées par quelqu'un qui sait ouvrir des livres, qui a étudié des passages du Talmud, du Shulchan Aruch, des commentateurs, de la prière, et qui est sensible à ce qui se passe dans la prière, qui est capable de dire pourquoi... Si tel passage, on le lit à voix basse, suivant cette même logique, on devrait lire l'autre passage à voix basse. Donc, n'importe qui ne peut pas poser cette question, mais c'est une question qu'on n'a pas forcément besoin d'adresser à un expert. Et on en trouve des dizaines chez Flora Fakhrassasson. Il y en a réellement des dizaines.
Donc, dans les échantillons que je vous ai choisis, j'ai choisi de parler. Pardon. Dans les échantillons que je vous ai choisis, j'ai choisi des questions en fait, auxquelles on ne s'attend pas du tout. Vous savez, lorsqu'on s'imagine Flora Farfar-Hassasson, une érudite en Torah, on dit bon, elle a des questions sur les textes juifs. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Flora Farfar-Hassasson, qui était, en plus d'être une femme érudite, qui était très pieuse, elle emmenait avec elle un minyan, un quorum de 10 hommes, afin de pouvoir prier en communauté. Et elle le faisait au cours de ses longs voyages et de ses nombreux voyages. Et dans les questions qu'elle pose, on voit qu'elle était carrément impliquée dans ce qui se passait, dans le minyan. Alors qu'on pourrait se dire, c'est déjà très noble qu'elle cherche à prier en communauté, mais ce qui se passe dans le minyan pendant l'office concerne les hommes. Et en fait, pas du tout. Elle adresse à différents rabbins, mais surtout au rabbin Yitzhak Nissim, avec lequel elle avait un rapport privilégié, et aussi auquel elle faisait confiance parce qu'il était aussi héritier de cette tradition des Juifs de Bagdad. Donc, elle s'adressait à lui tout particulièrement pour savoir comment nous, comme elle lui dit, comment est-ce que nous, on doit faire, nous, les séfarades, ceux qui viennent de Bagdad. Et elle lui pose plein de questions, notamment est-ce que tel Shabbat, vous avez la coutume de lire tel Haftara? Est-ce que lorsque le 8e jour de Pessah tombe tel jour, est-ce que la prière de Arvid, vous lisez tel texte? Et une question très intéressante, qui touche également à son identité séfarade, qu'on retrouve dans plusieurs questions, et d'ailleurs, c'est un autre prisme de lecture de ces échanges épistolaires qui est très intéressant et je le garderai peut-être pour une autre fois, la question de son identité séfarade. Il y a une question qu'elle adresse à 3 rabbins différents dans laquelle elle demande est-ce qu'une personne qui est d'origine séfarade peut s'acquitter de la lecture de la Torah lorsqu'elle est lue dans un livre écrit avec la calligraphie ashkénaze. Donc, il y a différentes traditions en ce qui concerne l'écriture des lettres, la calligraphie des lettres. Comme vous savez, comme tous les autres domaines, comme le chant, par exemple, l'air de la lecture de la Torah, la prononciation des voyelles, etc. Il y a aussi des différences en termes de calligraphie. Et la question qui se pose, évidemment, c'est, étant donné que les règles qui régissent la calligraphie les formes des lettres sont si précises, est-ce qu'une personne qui est issue d'une certaine tradition peut être acquittée de la lecture de la Torah lorsqu'elle est lue dans une Torah où les lettres ont une autre forme? C'est là le sens de sa question. Et c'est une question qu'elle adresse à 3 rabbins différents. En gros, après différentes explications, the bottom line, la conclusion est que c'est bon, mais je trouve ça fascinant qu'une femme qui n'a pas demandé si elle pouvait lire la Torah, qui prenait dans ses voyages un quorum d'hommes qu'elle laissait, enfin je suppose, diriger l'office, s'intéresse auprès de rabbins pour savoir si elle est quitte de la lecture de la Torah lorsqu'elle l'entend, lorsque celle-ci est lue, à partir d'un texte qui est écrit avec une calligraphie différente de sa propre tradition. Enfin, la dernière catégorie, c'est les questions d'érudits. Et dans cette catégorie également, on trouve une très grande variété de questions. Je vais vous en présenter 2, mais juste pour vous donner un peu l'idée du type de questions qu'elle peut poser. Elle dit, dans tel traité, on parle de telle chose. Est-ce qu'on trouve ailleurs dans le Talmud une idée similaire? Elle a plusieurs questions de ce type où elle demande au Rav Yitzhak Nissim, où est-ce qu'on trouve dans le Talmud telle idée?
Et c'est impressionnant des deux côtés. D'abord, quelle est la connaissance de ces choses et que le Rav Yitzhak Nissim aussi soit capable de lui citer. D'ailleurs, une des fois, le Rav Yitzhak Nissim lui dit « Je ne connais que la référence que vous m'avez envoyée. Si vous trouvez autre chose, tenez-moi au courant. » Et il y a un grand respect, en fait, dans ces échanges. Là encore, évidemment, il y a la question du pouvoir. C'était apparemment quelqu'un de très poli, Rav Yitzhak Nissim. Je pense que moi aussi, si j'échangeais avec Fakhras Hassan, j'emploierais ces formes de politesse. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Parce que la politesse est une chose, mais le fait de prendre la personne qui est en face de soi au sérieux, là, ça, c'est quand même une preuve de respect. Donc, à part les formes de politesse, il y a aussi le fond. La lettre prend au sérieux la question de la personne, et en fait, il rédige ses réponses comme on les rédigerait, comme il les rédigerait à n'importe quel autre rabbin. Et c'est là qu'on voit le vrai respect. Donc, en ce qui concerne les échantillons, pardon, de cette troisième catégorie, question d'érudit. Alors, il y a une question qui est intéressante, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais elle concerne la cachérisation de la viande. Vous savez, il y a encore un certain temps, les gens cachérisaient la viande chez eux à la maison. Et le foie qui contient énormément de sang doit être cachérisé par le grillage. Il faut le griller, peu importe. Et la question qu'elle adresse au Rav Yitzhak Nissim est de savoir si elle peut enrober légèrement le foie d'huile de sésame. En fait, la question ce qui sous-tend cette question, c'est la question de l'absorption. Est-ce qu'il faut attendre qu'il soit déjà grillé c'est une question de cache-route qui est assez technique et dont il faut avoir conscience des enjeux. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cet échantillon, c'est parce que le début de la réponse du Rav Yitzhak Nissim est magnifique. Il lui dit « She'ela tracham chatzi teshuva ». La question d'un sage est une demi-réponse. Et il lui dit ensuite, vous êtes effectivement bien, j'ai pas le mot, bon, vous avez bien remarqué, vous avez bien été sensible ici au problème, et effectivement, c'est pas évident, il faut éviter, etc. Et le dernier échantillon de ma présentation, est issu du... Alors, du Yein HaTov, qui est donc le livre de responsa du Rav Yitzhak Nissim. Et là, permettez-moi de vous la lire en hébreu. Ça va prendre deux petites minutes, mais ça en vaut la peine. Il publie le texte suivant. Nish'alti me'agevira ha'mefour sama. Cette question m'a été adressée par la philanthrope d'une grande renommée, Shenafsha Chashka Batora. Je ne vais pas rentrer dans la référence talmudique, mais je vais simplement traduire. Dont l'âme a soif de Torah, Harabanit ha'metsuyenet bechokhmata, la femme. Rabbin, enfin, c'est pas une rabbine, mais la rabbinite qui se distingue par sa sagesse, verroulée, etc. Marat farchat ichye, eshet hanagid ameforsam, rav pealim betzit kotav, la femme du grand philanthrope, monsieur Suleiman David Sasson, et zichrono livracha, donc il était déjà décédé. Là, c'est quand même formidable. Il écrit que cette question lui a été posée par la dame qui est sage en Torah, femme de monsieur le philanthrope. Donc, c'est elle, en fait, qui est l'érudite dans ce couple. En tout cas, c'est ce qui transparaît ici, même si c'était une famille qui était très investie dans l'étude de manière générale. Et là, il continue en posant la question qui concerne la Birkat Ha'ilanot, à savoir la bénédiction qui est récitée lorsque les fleurs bourgeonnent, lorsque les fruits commencent à pousser au printemps. Et la Gemara dit, le Talmud dit que
celui qui voit ces nouveaux bourgeonnements pendant le mois de Nissan doit réciter la bénédiction. La question qui se pose est de savoir si les bourgeonnements, si lorsque le Talmud dit Nissan, c'est pour désigner le mois, c'est une condition rédhibitoire, si c'est le seul laps de temps dans lequel il est possible de réciter cette bénédiction, ou s'il est possible de la réciter à chaque fois qu'on voit en fait une nouvelle, pendant cette saison, des fleurs qui bourgeonnent et des arbres qui donnent des nouveaux fruits. Il rentre dans tous les tenants et les aboutissants de la question. Et voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Un petit détail intéressant, c'est qu'il y a une autre lettre du Ravi Traknissim dans laquelle on voit qu'en fait, Flora Farhassassin n'était pas contente que son nom soit publié. Elle n'était pas contente que son nom ait été publié dans ce responsum. Et le Ravi Traknissim, avant de conclure sa lettre en disant « Si vous tenez à ce que j'enlève votre nom, la volonté d'une personne, c'est ce qui constitue son respect, donc je vais me plier. » Mais, Ravi Traknissim écrit « Je vous encourage fortement de le faire parce que ça servirait de modèle et d'exemple à d'autres femmes pour montrer qu'on peut étudier. » Et il raconte que des rabbins l'ont, pris à partie pour avoir publié le nom d'une femme. Ils lui ont dit, mais tu sais bien, dans le Talmud, il s'écrit qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah aux femmes. Comment se fait-il que tu aies publié son nom? Et il justifie cette chose. Donc c'est un sujet qui est très intéressant, très intéressant et très instructif. Donc, en guise de conclusion, c'est un titre que j'ai noté pour moi, mais je vais quand même vous le dire. Flora Farhassassin, femme d'érudition, quel héritage? Donc, il y a d'abord ce qu'on vient de voir avec le Ravi Traknissim, l'idée que l'étude de la Torah, évidemment, doit être ouverte à toutes, tout comme elle est ouverte à tous, ou elle devrait. Mais deuxièmement, elle nous sert de modèle. Elle nous sert de modèle parce qu'elle nous, elle incarne le fait qu'il ne faut pas accepter l'idée apologétique des discriminations selon laquelle tout un pan du judaïsme ne serait pas fait pour les femmes. Il n'y a pas, comme le dit si bien le professeur Vanna, un judaïsme pour les hommes et un autre pour les femmes. Et elle nous sert aussi de modèle de prise en main de la responsabilité de sa vie juive. Ne pas accepter l'idée infantilisante d'une soumission naïve aux arguments d'autorité, mais plutôt se renseigner, s'instruire, acquérir du savoir. C'est bien la seule façon de forger pour soi un judaïsme mature et responsable. Enfin, je dirais ceci, Flora Farhassassin n'était pas une révolutionnaire. Elle était une femme privilégiée dont les parents et les circonstances ont permis de s'approprier son héritage qui lui revenait de droit. Et elle l'a fait avec courage et sagesse. C'est sûrement là que repose la leçon la plus poignante de son histoire. Le judaïsme n'appartient pas aux institutions. Le judaïsme n'appartient pas aux hommes. Le judaïsme n'appartient pas aux rabbins. Il appartient à chacune et chacun d'entre nous. Saisissons-nous-en, apportons notre pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Ephraïm, pour cette analyse de la correspondance de Frère Sasson. Alors, c'est formidable parce qu'en fait, tu nous as surtout donné envie d'en savoir beaucoup plus sur d'autres questions, ce qui nous poussera soit à te poser des questions juste après la fin de cette soirée, soit évidemment à organiser d'autres événements, d'autres sessions d'études sur Frère Sasson. Pardon. Juste avant de conclure par quelques questions, et donc vous aurez la possibilité
de rétablir votre micro d'ici quelques minutes. Nous allons écouter Tova Castiel-Aaron pour un dernier chant, cette fois-ci un chant des femmes de la communauté de Cochin. C'est une bénédiction pour l'enfant qui vient de naître et que Tova Castiel a choisi d'accompagner par le piyout de Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, Shochan et Bassadeh, avec une petite précision, une partie du chant qui sera en malayalam, une langue parlée en Inde, notamment par les Juifs. Et je laisse tout de suite la place à Tova Castiel-Aaron. שוחן בשדה, אבל לא העורבין, נכון? לא של הברית מילה. כן, כן, שניהם אם את יכולה. שניהם ביחד, יופי. שניהם ביחד. אז השיר הראשון תגיד להם שזה מאוד חזק, האמא עומדת וכולם, היא שולחת את הילד לברית מילה. אז כל הנשים שרות לה את זה, שיקבל תכונות מהאדם הראשון עד משה רבנו. Et donc le premier chant est vraiment le chant des femmes au moment où l'enfant va être circoncis et où la mère, la jeune mère se trouve au milieu de la communauté, au milieu des femmes, juste avant la Brit Mila. Et c'est un chant qui fait référence depuis Adam Arishon, donc le premier homme Adam, jusqu'à Moïse. אדם הראשון פולה יום וסתומה, ואלו מלאב ומלאב חנוכינה פולה. תפוגל אלה תלשו דתי אקנם, פורשו נוח דפוניה מנקן. צ'לו נתרגל לצ'ם מורה תונדגום, Aiso madumelam avramina pole pogedicha perica ende mil dayavum aveshicha nishak enda varodum tappuda naivalilak tambirane ennagum pariparam yahovina pole பந்தனம் வஸ்திக வையாட்டு பழங்காளில் எப்ராயிம் மெனஷேயும் யோசேப்பும் வாக்காளும் ஆதாகும் மன்கரியா நென்னாக்கு தாருவான் மொகரு பெருகாஷம் மோஷே ரப்பேனா போலே ஒரு விண்ணை வாருன்னா ஒரேடே சாதுகன் Enagul kaval parsa tani kenu. Shir Shochan Basadeh, shir Shlomo Ibn Gabirol. Chatzi chelek malayalam, safa shel Sanskrit v'tamil, v'chelek be'ivrit. Shochant Basadeh, Shochant Basadeh, imo halechu shan. אמו הלך ושען, עמדי בראש כרמל, תפי להר בהשן. עמדי בראש כרמל, תפי להר בהשן. ויליל וסיקום שריה, ויליל וסיקום שריה. אינה קודי גלידאיל, אינה קודי גלידאיל. כרמל מוגליל נלקם, בשן פרבדם נוקם. Caramel mogali nilka, bashan parvadam noka, tanga tulia totam, paredi sunari pene, tilar kunil tuna tadatil, pushpangal buddha tukan man, tilar tunil kuna tadatil, pushpangal buddha tukan man, lagana sher nichmas, lagana sher nichmas, יפה הסעי עין, יפה הסעי עין, וראי ארוגתך, הנה מלאה שושן. וראי ארוגתך, הנה מלאה שושן. מלאך צבי נחמד, מלאך צבי נחמד. כי תעזוב גני, לראות בגן יוקשן, ובתוך הצדישן.
לראות בגן יוקשן ובתוך עצי דישן הבה נרדה לגן הבה נרדה לגן נוכל מגדי משם נוכל מגדי משם ובחקפת עין ישקף וגם תישן ובחקפת עין תשכב וגם תישן שוכנת בשדה. Merci beaucoup, Tova Castiel à Aaron. Merci beaucoup pour ces chants.